Bonsoir. La pandémie de Covid-19 touche 181 pays et concerne plus de 1 140 300 personnes dans le monde, dont 236 000 sont guéris. Les États-Unis rapportent le plus grand nombre de cas au monde, plus de 278 500, 21 000 de plus qu'hier. L'Espagne a 125 000 cas, l'Italie près de 120 000 et l'Allemagne plus de 92 000. Le total des décès de cas confirmés est de 60 887. L'Italie déplore 14 681 décès, l'Espagne 11 744 et les États-Unis 7 826. En France, les données hospitalières qui nous remontent de 947 établissements de santé, publics et privés, démontrent l'impact très sévère du coronavirus et de cette épidémie exceptionnelle. Aujourd'hui, 28 143 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection à Covid-19. C'est 711 de plus qu'hier. Et en détail, ce sont 2822 nouvelles hospitalisations arrivées à l'hôpital, mais aussi, et c'est important, 2111 sorties. Les 711 que je vous donne de plus sont donc bien un solde, les entrées moins les sorties. 6838 cas graves nécessitent des soins lourds, en soins intensifs, soins continus, réanimation. Ce sont des formes graves chez les adultes. 35% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans, 105 personnes sont hospitalisées en réanimation et âgées de moins de 30 ans. Au cours des dernières 24 heures, 502 nouveaux cas ont été admis en réanimation, contre 641 hier et 729 jeudi, grâce aux sorties qui sont de plus en plus nombreuses. Il a été donc nécessaire finalement de prendre en charge 176 patients supplémentaires dans les services de réanimation. Ce besoin permanent de trouver de nouvelles places augmente moins rapidement chaque jour. Il était de 263 nouveaux patients à prendre en compte vendredi, 382 patients supplémentaires jeudi, 452 mercredi, 458 mardi et 475 lundi, il correspond bien au solde de patients supplémentaires à prendre en charge chaque jour. C'est un indicateur important qui permet de percevoir la tension dans les établissements de santé et le besoin de mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques disponibles. Dans les Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, on relève 155 hospitalisations contre 167 hier dont 43 en réanimation et 122 retours à domicile. Je souhaiterais ici adresser tous mes remerciements à l'ensemble des professionnels, ils sont très nombreux, ces professionnels civils, militaires, publics et privés, qui ont permis de réaliser dans d'excellentes conditions 566 transferts de patients en réanimation, vous le voyez sur cette carte, des régions les plus en tension, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'île de France vers les régions les moins en tension, c'est un magnifique signe de solidarité nationale. Après avoir évoqué l'ensemble de l'activité hospitalière, qui reste extrêmement forte aujourd'hui, puisque je vous rappelle que 6 838 personnes sont en réanimation, je voudrais rappeler que le nombre de personnes guéries augmente lui aussi très rapidement, puisque nous avons 15 438 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital auxquels il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui sont restées en ville, à domicile, confinées et qui sont aussi guéries au fur et à mesure de l'évolution de cette épidémie. En ce qui concerne la surveillance syndromique, celle qui est faite en population, les services d'urgence ont observé hier cent neuf passages, soit 17 de leur activité totale pour une suspicion de Covid-19. Après ces passages, nous observons 41 d'admissions et 3,7% de passages directs en réanimation. Il y a eu 1082 interventions de SOS Médecins hier, contre 1038 la journée précédente, pour une suspicion de Covid. Cela représente 19% de l'activité totale de SOS Médecins. Enfin, vous savez, les laboratoires de ville augmentent aussi leur activité de test. 50 793 tests ont été réalisés dont 14 263 sont positifs, ce qui représente 28 de positivité. Nous observons avec une extrême attention la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 3 584 établissements ont signalé un épisode concernant un ou plusieurs cas d'infection à Covid-19. Ils le signalent à Santé publique France à travers une application qui est disponible sur le portail national des signalements. Mais aussi grâce aux données transmises par les différentes agences régionales de santé. Donc, merci à tous les établissements qui participent à cette surveillance nationale et à cette saisie. L'ensemble des signalements correspond désormais à un total de 21 348 cas confirmés ou possibles de Covid-19 au sein de ces établissements sur toute la période épidémique depuis le 1er mars. En ce qui concerne la mortalité, le bilan des décès, vous savez que nous avons une surveillance particulière de la mortalité en établissement de santé, à l'hôpital. Depuis le 1er mars, nous déplorons 5 532 décès. 82% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans et 13 décès en Outre-mer, 8 en Guadeloupe, 3 en Martinique et 2 à Mayotte. Dans les dernières 24 heures, ce sont donc 441 décès. Qui ont été enregistrés en milieu hospitalier contre 588 au cours de la journée précédente. En ce qui concerne la mortalité dans les établissements sociaux, médico-sociaux, les EHPAD, nous avons désormais 2028 décès qui ont été déclarés par ces établissements. Je vous rappelle que ces décès correspondent à l'ensemble des déclarations des établissements sur toute la période de l'épidémie depuis le 1er mars. Donc de plus en plus d'établissements participent activement aux remontées. Je les en remercie. Et cela nous permet d'avoir une idée de plus en plus précise de l'ensemble des décès qui sont survenus au sein de ces institutions depuis le début de l'épidémie. Depuis le 1er mars donc, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux qui sont survenus en établissements sociaux et médico-sociaux, nous déplorons 7 560 décès. Enfin, vous le savez, nous suivons... L'évolution de la mortalité toute cause confondue, qui est signalée en mairie à l'état civil et qui correspond aux décès survenus à l'hôpital, aux décès survenus en institution et aux décès survenus à la maison. À l'échelon national, l'excès de décès par rapport à la mortalité attendue se renforce, notamment sur la semaine treize, et atteint désormais vingt sept d'augmentation. À l'échelon régional, six régions présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue lors de cette semaine 13. La région Centre-Val de-Loire s'ajoute aux régions Grand-Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Haut-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. À l'échelon départemental, ce sont désormais 29 départements qui présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue en semaine 13. Enfin, vous le savez, nous comptabilisons aussi l'ensemble des tests PCR positifs. Et nous avons désormais 68 605 cas confirmés par test PCR, donc de recherche virale. C'est 4 267 de plus. La pandémie de Covid-19 est totalement inédite, avec, vous le voyez, des milliers de cas très graves et des milliers de morts. Il est donc absolument impératif de respecter les consignes du confinement et de poursuivre l'application rigoureuse des gestes barrières et de la distance physique entre individus, cette fameuse distance d'au moins un mètre. Ce n'est pas le moment de relâcher l'effort, je le redis ce soir Restez chez vous pour sauver des vies. Pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin, je souhaite vous informer que le ministre de la Santé autorise désormais la téléconsultation par téléphone pour tous les patients qui ne disposent pas de moyens de connexion en vidéo. Il s'agit bien souvent de Françaises et de Français précaires, éloignés de l'accès aux soins, auxquels il convient d'apporter toutes les solutions possibles dans cette situation exceptionnelle. Ces consultations qui sont réservées aux patients atteints ou suspectés de Covid-19, ou bien en affection de longue durée, ou âgés de plus de 70 ans, sans moyens vidéo, seront prises en charge, comme les autres téléconsultations, dans le cadre de cette épidémie. Afin de pouvoir prendre soin de nos personnes les plus fragiles, nous sommes particulièrement attentifs à la situation dans les EHPAD. La présence humaine auprès de nos aînés, auprès des plus fragiles, est absolument essentielle. Elle doit s'effectuer, vous le savez aussi, dans le respect des gestes barrières et des mesures de confinement qui touchent ces établissements. Pour répondre à ces besoins importants, j'adresse ce soir un message aux établissements La réserve sanitaire est disponible. Elle n'est pas réservée qu'aux seuls hôpitaux. Je pense notamment aux médecins généralistes à la retraite. Mais les établissements ont aussi besoin de personnel non médical, comme des aides-soignants, des psychologues, mais aussi des cuisiniers. La recherche de ressources humaines peut d'abord être locale, mais elle peut aussi être facilitée par les plateformes existantes, et notamment la plateforme renfort-covid.fr, qui est déployée dans de nombreuses agences régionales de santé. Elle permet de s'inscrire sur une liste de 22 métiers. Il faut s'y inscrire si vous le souhaitez, si vous êtes volontaire, si vous voulez aider. Et il faut que les établissements y inscrivent aussi leurs besoins pour pouvoir ainsi répondre à l'ensemble des besoins. Mais même si c'est dans une autre région, vous le savez, on aidera les professionnels volontaires qui souhaitent aider en Népal à se rendre sur place et à être hébergés au plus près. Enfin. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, ont annoncé aujourd'hui de nouvelles actions pour soutenir les établissements et services médico-sociaux dans la gestion sanitaire de la crise, afin, en particulier, de garantir l'accès aux soins des personnes handicapées et prévenir l'épuisement des aidants. Je voudrais vous redire un mot de ces mesures qui sont absolument essentielles et qui viennent en complément. Des mesures déjà prises pour les 10 millions de Françaises et de Français qui vivent avec un handicap et les 8 millions de proches qui les accompagnent chaque jour. Désormais, un suivi renforcé et en temps réel de l'évolution de l'épidémie dans le secteur du handicap sera mis en place. Cela permettra d'évaluer de façon rapide et précise les besoins de renfort dans le secteur médico-social et les éventuelles capacités hospitalières à mobiliser. Des cellules médico-sociales transversales au secteur personnes âgées et handicap sont mises en place par les agences régionales de santé dans les territoires pour appuyer ces structures en lien étroit avec les conseils départementaux. Les mesures de prévention seront renforcées au sein de ces structures. La réalisation des tests PCR de recherche virale sera aussi facilitée. Les établissements seront accompagnés pour prendre en charge les cas atteints de Covid. Ils pourront s'appuyer sur la cartographie des ressources sanitaires disponibles au niveau des agences régionales de santé et le recours aux professionnels de santé extérieurs sera facilité. Les prises en charge à l'hôpital seront anticipées et organisées un dossier de liaison sera mis en place pour les établissements et les proches aidants. À terme, nous souhaitons également tendre vers un système dans lequel, dans chaque centre 15, un médecin régulateur est référent pour la prise en charge des personnes. En situation de handicap. Enfin, nous renforçons la continuité de l'accompagnement médico-social pendant la durée de l'épidémie. Le détail de ces mesures très importantes sont recensés sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Enfin, je voudrais terminer par un mot important, un mot de l'avenir, la, de un mot de la recherche. Des essais cliniques sont en cours, des essais cliniques qui concernent des patients, des personnes malades. Les recrutements, les inclusions se déroulent comme prévu et incluent des centaines de personnes malades, plus de 400 dans l'étude Discovery, plus de 200 dans l'étude Corps immunaux. Vous l'avez peut-être appris aujourd'hui, un essai clinique consistant à administrer à 10 malades atteints du Covid-19 une solution issue du sang d'un verre marin aux propriétés oxygénantes va pouvoir démarrer après l'accord obtenu en urgence grâce à la mobilisation du comité de protection des personnes. Et à l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'assistance publique, Hôpitaux de Paris, en partenariat avec l'INSERM et l'établissement français du sang, va débuter lundi un essai clinique dit de sérothérapie qui va étudier si l'injection de plasma dit thérapeutique de personnes guéries du Covid-19 et donc qui ont potentiellement des anticorps protecteurs pourrait aider les, les personnes malades les plus graves à lutter contre le virus. Vous voyez, il y a ce soir des lueurs d'espoir dans la mobilisation de nos soignants et dans la mobilisation de tous nos acteurs de la recherche. Je vous remercie. Une question pour euh, HospiMédia. Dans un message d'alerte rapide sanitaire daté du 3 avril, vous jugez acceptable la réutilisation des surblouses à usage unique. Qu'en est-il exactement N'est-ce pas problématique Est-ce que ce retraitement concerne-t-il d'autres matériels à usage unique alors, nous évaluons avec les spécialistes de l'hygiène hospitalière. Ce sont les équipes hospitalières qui nous saisissent et ce sont les agences nationales sanitaires qui valident ce type de process. Vous savez, pendant des années, on a utilisé de l'usage unique et on a tout jeté. Aujourd'hui, on se pose la question pour certains équipements qui ne sont pas souillés, évidemment. Un équipement taché de sang n'est pas réutilisé, mais un équipement qui sert juste à protéger un soignant et qui peut être de façon validée stérilisé peut servir à une équipe hospitalière qui a besoin de ce type d'équipement. Donc, on est dans des situations qui sont contrôlées, validées, proposées par les équipes d'hygiène hospitalière, prises en charge par les équipes spécialisées de stérilisation, et là aussi validées par nos agences nationales de sécurité sanitaire, que ce soit l'ANSES ou la NSM sur un certain nombre de procédures. Donc, on est vraiment très attentif à la sécurité sanitaire de ce type de, de traitement et de procédure du matériel. L'APM, euh, concernant les EHPAD, il semble que les données ne sont pas enregistrées dans l'outil national euh, dans plusieurs régions sur consigne des ARS. Comment expliquer cette situation et quand le système sera-t-il unifié pour disposer des données les plus exhaustives possibles Alors, je, je vous le dis ce soir, les données sont vraiment très bien remplies. Il y a eu une différence de saisine puisque certaines ARS avaient mis en place leur propre protocole de saisine avant même que nous ayons le dispositif de santé publique France, donc c'est juste un transfert de ces données vers le dispositif national et une sécurité pour les Français que de savoir que ces données sont nationales, validées, que l'on parle bien de cas confirmés ou de cas possibles, que l'on parle bien de l'ensemble de la période de l'épidémie et que l'on parle bien de décès survenus en établissement puisqu'on pouvait avoir au départ des décès qui étaient signalés aussi chez des résidents des pads, mais qui étaient décédés à l'hôpital. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des décès qui ne sont pas correctement pris en compte, soit oubliés, soit comptés deux fois. Et donc, on avait besoin d'être très rigoureux dans cette procédure de recueil. Mais c'est exactement le cas ce soir. De très nombreux établissements, je vous ai dit, plus de 3000 participent au recueil. Il y a aussi des établissements qui, fort heureusement, nous disent qu'il n'y a pas d'épidémie, qu'il n'y a pas de cas au sein de leur établissement et qu'il n'y a pas de décès. Tant mieux. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une très forte mobilisation de ce secteur médico-social pour participer au recueil national. Une deuxième question de l'APM. Est-ce que des recommandations sont prévues concernant les centres ambulatoires Covid-19 Alors, les centres ambulatoires, on est sur une autre prise en charge. On est sur, premièrement, de l'accès aux tests. Et comme je vous l'ai dit, nous encourageons la réalisation des tests, nous encourageons la multiplication de l'accès à ces tests. Et en particulier, c'est de l'organisation souvent de villes. Euh, Laboratoires qui soit accueillent des, des personnes qui veulent se faire tester, soit projettent des équipes médicales pour se faire tester. C'est parfois des établissements de santé aussi qui créent ces centres dits ambulatoires, c'est-à-dire pour euh, avoir des résultats en, en quelques heures. Et donc, c'est aussi des, des capacités de prise en charge médicale, puisque certaines équipes soignantes, et en particulier de médecins libéraux, se sont organisées pour qu'il y ait d'un côté une filière Covid et de l'autre côté une protection des autres patients, puisque je vous rappelle, nous sommes aussi très attentifs à ce que les autres patients qui ont une pathologie chronique soient pris en charge dans d'excellentes conditions. Donc ce sont des organisations qui se sont mises en place sur le terrain, au plus près des besoins des patients et au plus près de l'organisation elle-même des professionnels de santé. Euh, RFI, euh, le solde de nouveaux patients admis chaque jour en réanimation diminue. Est-ce que cela signifie un premier pas vers la fin de l'épidémie ou est-il trop tôt pour le dire Comment expliquez-vous cette baisse du nombre de patients admis en réanimation Est-ce -ce, est l'impact du confinement Alors, grande prudence, ce n'est pas une baisse du nombre de patients admis en réanimation, c'est une, une lente diminution de l'augmentation. Ça, ça peut être étrange de dire ça, mais le nombre de lits nécessaires chaque jour est un peu moins élevé que la veille. Mais on doit quand même en permanence accueillir de nouveaux patients et le nombre total de patients en réanimation continue de progresser. Certes, il progresse moins vite, mais il continue de progresser. Et ce soir, nous n'avons jamais eu autant de patients en réanimation. C'est plus qu'hier. Certes, l'augmentation est plus faible, mais c'est toujours une augmentation. Et nous nous attendons que ce soit une diminution, c'est-à-dire qu'il y ait moins de pression sur les réanimations et surtout moins de pression sur les équipes. Donc, grande prudence. Effectivement, cette, ce ralentissement progressif des, des, des admissions. En soi, une bonne nouvelle pour les soignants, mais c'est encore toujours plus de pression, donc grande prudence, même si nous serons très attentifs à l'évolution dans les trois ou quatre prochains jours, puisque là c'est là que nous attendons quand même d'avoir un impact de, du confinement que les Français respectent, et puisque nous savons qu'il y a la phase d'incubation, la phase clinique et la phase d'aggravation, nous sommes maintenant au début de la période où nous pouvons évaluer l'impact du confinement. Une question pour CNN. Le gouvernement recommande-t-il au public de porter des masques Est-ce un changement de recommandation Alors, pour être très précis, les mesures de protection pour les, pour les professionnels soignants restent absolument les mêmes et nous, savons, et nous le disons à chaque fois, nous avons une priorité absolue pour protéger nos soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. C'est une doctrine qui a été proposée par le Haut Conseil de santé publique, par la Société française d'hygiène hospitalière et c'est d'ailleurs ce que dit hier l'académie de médecine. Nous avons commandé, vous le savez, de, des quantités de masques très importantes, euh, près de 2 milliards de masques à destination du personnel de santé parce que c'est eux qui doivent être protégés en priorité et c'est surtout les besoins qui doivent être couverts, les besoins qui sont importants, en surtout en cette période d'épidémie. Nous avons des consommations de masques en milieu hospitalier, des consommations de masques en ville qui sont importantes et nous devons tout faire pour couvrir ces besoins dans la durée car la crise est longue. Nous avons également autorisé la protection de masques dits alternatifs, le 31 mars dernier, ils assurent un niveau de protection moindre, ils ne sont pas du tout adaptés au personnel soignant, donc l'idée n'est pas, pas de proposer ces masques au personnel soignant, mais bien de les rendre utiles, de les rendre disponibles pour des professionnels en contact avec du public, ainsi que pour des individus qui ont des contacts occasionnels avec d'autres personnes, sans pouvoir télétravailler, sans pouvoir garder les distances de sécurité d'un mètre dans un cadre professionnel. Ces mesures de protection pour le grand public, elles vont rester les mêmes et elles sont indispensables. Je vous rappelle donc, c'est important que même si l'on utilise ce type de masque alternatif, ça ne remplace en aucun cas toutes les mesures de distanciation sociale, de réduction des contacts, de distance physique d'un mètre, les mesures de confinement et le respect des gestes barrières que les Français doivent maintenant parfaitement intégrer et ils ont bien progressé dans ce sens. Alors, ensuite, quelle est la place des masques alternatifs Ça peut être un complément, mais ça ne doit surtout pas induire un sentiment de fausse sécurité si l'on abandonne l'ensemble des autres mesures, le lavage des mains, la distance, la réduction des contacts et l'ensemble des gestes barrières. Depuis le début de cette épidémie, nous apprenons chaque jour avec ce nouveau virus, avec en particulier, et vous le savez, de très nombreux échanges entre les instances internationales. L'Organisation mondiale de la santé, les CDC américains qui sont les centres de référence pour de nombreuses maladies infectieuses, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, l'a dit très bien ce matin on doit être capable de produire des masques pour des personnes qui ne sont pas des soignants, ce sont ces fameux masques alternatifs, ce seront donc des personnes en deuxième ligne qui vont être en contact étroit avec le public, et puis peut-être qu'un jour, nous proposerons à tout le monde de porter une protection, mais on n'en est pas là. Tout ça se, se discute, vous le savez, avec les experts, avec le Conseil scientifique, avec les experts de virologie, toutes les agences sanitaires nationales. Et donc là encore, on, 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 a, on adapte no, no, notre position, on évalue les connaissances, on évalue la situation. Et c'est donc cette constante évolution qu'a rappelé le ministre. Et c'est exactement ce que j'ai dit aussi hier soir, quand la question m'a été posée après l'avis de l'Académie de médecine. Une question de Bloomberg. Où en est-on sur les commandes de masques Pouvez-vous faire un point alors les commandes de masques, vous savez qu'elles sont passées à de nombreuses reprises. Nous faisons tout pour sécuriser ces, ces, ces approvisionnements. Il y a deux aspects. D'une part, la production nationale qui est poussée au maximum, puisque l'objectif du président de la République a été très clair, puisqu'il s'est rendu dans une usine c'est que nous développions de plus en plus cette autonomie, cette capacité d'indépendance nationale pour la production de masques. Il y a aussi beaucoup de commandes qui sont faites à l'international. Il y a un pont aérien qui s'est mis en place et les, et les arrivées, les livraisons se font au fur et à mesure. Nous en attendons d'ailleurs la semaine prochaine. Donc c'est des arrivages constants que nous attendons pour répondre aux besoins importants, aux besoins hebdomadaires importants du personnel soignant. Parce que je le répète, ces masques sont vraiment destinés à couvrir les besoins des, des personnels soignants. Trois questions pour le monde. La première, selon vos projections, combien de lits de réanimation faudra-t-il ouvrir d'ici le 15 avril pour accueillir l'ensemble des malades Covid graves Alors, sur l'ouverture des lits, nous avons évidemment une, une procédure d'anticipation, puisque nous travaillons évidemment avec les équipes de réanimation, avec les directeurs d'établissement, avec les agences régionales de santé et avec les épidémiologistes qui nous, qui nous alimentent au fur et à mesure que les indicateurs arrivent. Sur l'évolution de la courbe. Nous voyons aujourd'hui que nous atteignons un niveau historique. Le nombre de, de patients ce soir est très important. Mais nous avons encore une marge de progression, puisque les hôpitaux font toujours en sorte d'avoir des lits d'avance. Quand même très important. Et on doit saluer cet effort de ne pas se retrouver sans aucun lit, mais bien d'avoir toujours une solution pour prendre en charge dans les grands établissements. 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Et chaque région s'assure qu'elle a toujours ce volant. Disponible de lits. On voit, et vous l'avez souligné tout à l'heure, que l'augmentation du nombre de lits nécessaires se réduit petit à petit, et tant mieux pour les équipes, tant mieux pour les hôpitaux. Mais nous gardons toujours cette capacité de réponse, et nous gardons aussi, vous le voyez sur cette carte, notre solidarité nationale, c'est-à-dire que si une région se retrouvait en trop forte tension, nous continuerions, nous, nous, nous développerions ce type de, de transfert, puisqu'il est désormais parfaitement validé. On en a fait plus de 560. On continuera à le faire, et donc nous sommes toujours à l'écoute des besoins des régions qui, si elles se sentent trop en tension et qu'elles n'ont plus suffisamment de marge de sécurité sur leur lit, nous demandent un transfert vers une région qui est moins sous tension. Quand le pic de l'épidémie est-il attendu en ile de france et dans le reste de la France Alors là encore, vous posez la bonne question puisque on voit bien que l'évolution de l'épidémie n'est pas complètement la même selon les régions. Les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Haute-France. Et, et île de france ont été très fortement touchées, d'autres, peut-être plus dans le sud ou l'ouest, ou sont moins touchées, donc elles ne sont pas du tout euh, en saturation et c'est d'ailleurs grâce à cette situation qu'elles aident massivement les régions les plus touchées. On voit qu on, que l'on s'approche de ce pic, même si on ne peut pas prédire la date exacte de ce pic. Vous savez que d'autres pays s'en approchent aussi l'Italie et l'Espagne, avec notamment un enjeu de plateau. Et le plateau est important à anticiper pour nos, pour nos concitoyens, puisque même si le nombre d'admissions en réanimation diminue, on aura besoin de rester longtemps en réanimation, puisque la prise en charge est longue. Donc les patients qui vont arriver en réanimation vont y rester dix jours, peut-être deux semaines, parfois pour certains les plus graves, trois semaines. Donc les lits seront pendant très longtemps mobilisés, et les équipes seront encore pendant très longtemps mobilisées. Donc soyons vraiment attentifs à ne pas laisser passer l'idée que le fait d'avoir atteint un pic ou d'être en plateau est la fin de cette épidémie, puisque nous aurons encore énormément de patients à prendre en charge, et donc nous serons vraiment tous mobilisés. Combien de transferts sanitaires sont anticipés pour la semaine à venir alors, vous voyez, nous avons 566 transferts de réanimation, de patients de réanimation déjà réalisés, et nous nous adaptons à chaque fois aux besoins. Donc, nous pouvons en faire plusieurs dizaines chaque jour. Tout va dépendre de l'évolution. S'il y a un peu moins de pression sur la région Grand Est, s'il y a un peu moins de pression sur l'île de France, nous tiendrons compte, évidemment, des demandes effectuées par les grands hôpitaux et par l'Agence Régionale de Santé responsable de la région. Je vous remercie. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Oui,